Bismillahirrahmanirrahim. Donc dans le dans le cadre de dans le cadre de renforcement des sciences de la vie de la terre au niveau des lycées, je continue mes leçons au niveau de la génétique humaine avec la troisième méthode de l'étude de la génétique humaine qui est l'analyse des caryotypes Mais avant de parler de karyotype, il faut savoir comment réaliser un cas, un karyotype. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, quelles sont les étapes de la réalisation d'un cariotype. Donc on, on, on prélève 5 millilitres de sang veineux de, chez une personne euh, donc, dont on veut faire le cariotype, une personne saine par exemple. Euh, alors on obtient donc du sang, donc il faut séparer donc d'une part le, le, donc, le plasma et les cellules sanguines. Puis après, il faut séparer séparation des émacies et la récupération des leucocytes qui sont des cellules immunitaires donc euh, euh, nucléaires qui, qui ont un noyau. Donc après, il faut réaliser une culture des leucocytes dans un milieu convenable pour qu'ils se pour qu'ils se, se multiplient donc mise en culture des leucocytes trois euh, jours à 37 degrés Celsius donc il y aura multiplication des leucocytes après comme vous le savez, donc les chromosomes, vous avez, vous avez donc vous savez que dans la, la division cellulaire, les chromosomes sont très très clairs, très épais dans la phase euh, métaphase, la métaphase de la mitose. Donc pour cela, il faut additionner, ajouter une substance qui bloque, euh, qui bloque la, 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 la division cellulaire en phase métaphasique, pour euh, là où les chromosomes sont très épais donc euh, est très épais donc euh, à partir de cette phase on peut réaliser donc l'écarieuse donc addition de la colchicine donc la première euh, le premier, euh, je répète la première donc euh, étape c'est le, le prélèvement du sang veineux d'une personne séparation des et récupération des leucocytes maison culture des leucocytes trois jours à 37 degrés pour qu'ils se multiplient blocage alors de la, mé la métose dans la phase euh, métaphasique par addition de la colchicine, qui est une substance qui bloque la mitose en phase métaphasique. D'accord Après, séparation des leucocytes par centrifugation. Donc, la centrifugation, c'est la séparation des constituants d'un mélange euh, en se basant sur sa densité. Séparation des leucocytes par centrifugation. Traitement destiné à faire gonfler les leucocytes. Les chromosomes sont alors mieux séparés. Donc, on met, donc, le, 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 les cellules, donc, dans un milieu hypotonique pour, pour, que le, pour, pour gonfler, pour qu'ils se gonflent par osmose, pour, pour le gonflement, donc, les chromosomes, donc, seront alors mieux séparés. Également, des cellules, alors, on va étaler, donc, la, 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 la cinquième étape, c'est l'étalement des cellules sur une lame. Alors, observation en microscope donc, euh, avec coloration micro, puis réalisation des microphotographies. Euh, après, donc, on obtient des photographies. Donc, et le découpage et le rangement des chromosomes. Euh, donc, euh, le rangement donc, et la réalisation d'un caryotype. Voilà, donc vous voyez ici euh, cette personne en train de couper les, les microphotographies et la réalisation de ce qu'on appelle euh, un caryotype humain. Alors, le cariotype humain, la réalisation. Alors, comment sont, sont, sont classés donc, les chromosomes Ils sont classés par trois critères, selon du plus, de, 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 par paire, donc ils sont classés par paire, et du plus, de, de, de la, de plus grand paire vers les plus petites, donc selon la taille, et selon l'emplacement du centre centromère. Voilà le centre mère le chromosome. Ça, c'est une paire. Donc, paire de chromosomes homologues. Voilà. Chromatides, chaque chromosome est composé de deux chromatides sœurs, voilà, identiques génétiquement, d'accord Donc, voilà, une paire. Donc, euh, le premier critère, c'est le classement par taille, par la taille, taille décroissante des paires, la position du centromère et euh, l'emplacement des bandes colorées aussi. Vous avez ici des bandes colorées, des techniques de coloration donc, donc, euh, l'emplacement des euh, bandes colorées. Donc ça, ce sont les trois critères par lesquels on classe, donc on obtient un cariotype. Vous avez donc un cariotype ici. On va étudier ce cariotype dans le cas de, des êtres humains, donc, de l'être humain. Donc vous avez ici un cariotype femelle. Donc, il est composé de, de quoi Il est composé de 22 paires autosomes, les chromosomes non-sexuels, et une paire, la 23e paire, il est sexuelle c'est ce la paire de chromosomes sexuels xx ici c'est une femme voilà donc on peut écrire, donc, euh, la, 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 on peut écrire donc, les formules chromosomiques alors chez chez la femelle 2 n égale à 46 c'est à dire on peut écrire d'une autre façon 22 aa c'est à dire 22 couples. Autosomes non-sexuels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, donc 22AA, plus la, la 23e paire qui est sexuelle, XX. Chez le mâle, c'est la même chose, donc on classe donc les, les, les chromosomes par paire. De 1 jusqu'à 22, ce sont les autosomes. 22 autosomes plus une paire de chromosomes sexuels, XY Y, composés de deux chromosomes différents, X, Y, plus petit, Y, plus petit. On peut créer la formule chromosomique du mâle. 2N est égal à 46. Voilà. Est égal à 46 ici. Voilà. Est égal à 22 AA plus XY. Ça, c'est pour le mâle. Voilà. Et ça, c'est pour la femelle. D'accord? Donc, ça, ce sont des deux cariotypes. Euh, la karyotype d'une femme et le karyotype d'un euh, homme normaux sont normaux. Donc, euh, euh, j'espère que vous avez compris donc la technique de, euh, de la réalisation d'un cariotype. C'est sur ce cariotype, c'est normaux qu'on va comparer et étudier donc les anomalies chromosomiques chez l'homme euh, dans la vidéo donc euh, prochaine. Donc, cette vidéo est consacrée seulement. À une euh, méthode, comment réalise-t-on un cariotype On récapitule, pour réaliser un, 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 un cariotype humain, on prélève 5 ml du sang veineux, la première étape, séparation des hémacées et récupération des leucocytes, euh, mise en culture, la deuxième phase, mise en culture du leucocyte, 37 degrés Celsius, pour qu'il se multiplient. donc, blocage de la méthose par addition de la, la colchicine au milieu de la culture, Séparation des leucocytes par centrifugation, isolement donc des, des leucocytes, traitement destiné à faire gonfler les leucocytes, c'est-à-dire par osmose, euh, par, euh, en les mettant dans un milieu hypotonique, bien sûr. Euh, les chromosomes sont alors mieux séparés, donc séparation des chromosomes, étalement des cultures sur une coloration puis microphotographie, donc il faut réaliser des microphotographies, obtention des. De microphotographie et le découpage et le rangement des chromosomes selon, bien sûr, j'ai dit trois critères la taille, l'emplacement du centre-mère et la, le positionnement de, des bandes colorées. D'accord Voilà, le cariotype d'un homme normal donc, est, donc, est égal 2n égale à 46, 22 autosomes, chromosomes non sexuels, plus xy. Pour la femme, 2n est égal à 46, et donc 22 autosomes. Plus xx. Merci. Donc la prochaine vidéo, inshallah sera consacrée, consacrée aux anomalies chromosomiques euh, qui est donc chez donc euh, l'être humain. Merci de votre attention et bon suivi.